Je souhaite, dans 15 jours, devenir votre président. Boom! Headshot! Le président de tout le peuple de France. Le président des patriotes. Face à la menace des nationalistes. Un président qui permette à ceux qui veulent créer, innover, entreprendre, travailler. Loi Macron définitivement adoptée aujourd'hui à l'Assemblée avec le gouvernement qui a eu recours au 49-3 pour la troisième fois. Un président qui protège. Qui transforme. Et qui construit. Il prend un petit peu de chacun. Mais au fond, ça donne quoi? Mais ça donne rien. C'est pas un produit. On parle de un président qui aide ceux qui ont moins, qui sont plus fragiles. Ou bousculés par la vie. La santé. La Cour des comptes lance un avertissement au gouvernement avec un rapport très salé sur l'emballement de la dette des établissements publics de santé. Est-ce que ça veut dire que nos hôpitaux sont en risque financier? Eh bien écoutez, globalement leur situation est inquiétante. La dette cumulée par l'ensemble de nos hôpitaux a triplé en moins de 10 ans. Elle est aujourd'hui de 30 milliards. Le travail. Monsieur Macron, vous c'est le business. Non. Vous êtes le business et vous êtes d'accord avec tous ces gens. Non, je ne suis pas d'accord. Vous êtes d'accord avec tous ces gens, ces gérants, les actionnaires et tout. Vous êtes d'accord avec eux. Non, je défends les entreprises parce que sans entreprise, il n'y a pas d'emploi. Mais vous défendez quoi? La solidarité. J'ai entendu vos aspirations à l'alternance véritable. De le faire plus facilement et plus vite. On va pas s'accompagner de bêtises, ce type est dangereux. Il est dangereux, son programme est dangereux. À la vitalité démocratique. Non. Ne sifflez pas, jamais. À l'exigence écologique et économique. Le traité CETA a été soigneusement caché à tous les citoyens. Il n'a presque jamais été discuté devant les grandes instances de débat que sont les médias, car aucun de vous ne veut et ne peut le défendre publiquement. Mais oui, ce qui est démocratique, c'est que nous avons souverainement décidé de transférer au niveau de l'Europe cette politique commerciale. Et je vous dis que c'est plus efficace pour notre souveraineté collective. Pour construire un avenir possible qui rendra la France plus forte. Dans une Europe qui protège. Respectez rien du service public, mais les salariés qui sont dedans. Ne nous parlez pas de respect, arrêtez. C'est vous qui avez cherché ce conflit. Il n'y a aucun dialogue social avec vous. Vous êtes en train de tout casser. J'aurai besoin de votre vote.